tear your soul apart. Mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais revenir sur une des adaptations d'un roman de Stephen King, Cujo. Donc, c'est parti. Something's in my closet. There's no such thing as real monsters. I saw him, really. He has yellow eyes, and he has teeth, and he made sounds. What kind of sound? Did you fix it? No, I don't have the tools. Damn, this car. Take it out to Joe Camber's. It's only 7 miles. Well, I think we've arrived, Tatter. Yeah, but is anybody home? Hello? Cujo! You pull while I push. Oh, I can't get it. Pull. Cujo est un film réalisé en 1983 par Lewis Tinger. On retrouve dans les rôles principaux Dave Wallace, Danny Pintero et Daniel Hugh Kelly. Cujo n'est d'autre que l'adaptation du roman de Stephen King qui a été publié en 1981 du même nom, Cujo. À l'époque, dans les années 70-80, la plupart des romans de Stephen King ont tous été adaptés au cinéma. Il avait vraiment le vent en poupe. Et le roman Cujo c'était naturel que le roman avait droit à son adaptation. Cujo est une histoire assez simple de Stephen King, voilà, c'est le seul roman où il parle d'un chien enragé, donc l'histoire est on ne peut plus simple. Donc nous suivons les aventures de Cujo, un bon gros Saint Bernard bien doux qui habite dans une ferme. Au début du film, on voit ce bon vieux chien qui est en train de pourchasser un pauvre lapin dans une forêt. Il suit ce lapin jusqu'à son terrier et Cujo va coincer sa gueule dans le terrier et malheureusement dans ce terrier se trouvent des chauves-souris enragées. Alors je suis pas en train de vous faire un pitch du sketch de Jean-Marie Bigard, mais je suis bien en train de vous faire un pitch de l'histoire de Stephen King, Cujo. Donc ce pauvre chien se fait mordre sur la truffe par une chauve-souris enragée et dans les heures qui suivent, ce chien va devenir complètement fou et enragé. À côté de ça, on va suivre les aventures de Donna, une mère de famille qui arrive à la ferme de Cujo pour réparer sa voiture. Et cette femme, qui est accompagnée de son petit garçon, va se faire littéralement attaquer par ce chien enragé et va être obligée de rester enfermée dans sa voiture en panne. Et pendant tout le long du film, Donna va tout faire pour sauver sa vie et la vie de son fils. Voilà, en gros, l'histoire de Cujo. Alors, c'est une des adaptations cinématographiques de Stephen King que je préfère, parce que, d'une part, l'histoire est simple, parce que c'est vrai qu'en temps ordinaire, Stephen King, quand il sort un roman, en général, les histoires sont beaucoup plus complexes. Et là, c'est la première fois que le King nous écrit un roman avec un chien enragé.
La réalisation est plutôt bonne, voilà, donc c'est une réalisation assez classique, mais franchement, le réalisateur nous fait un taf vraiment très très bon, la photographie est plutôt belle. On a aussi un casting 3 étoiles, voilà, en tête, on retrouve Dee Wallace. Alors, Dee Wallace était une actrice très très connue dans les années 70-80, et qui jouait énormément dans des séries B de films d'horreur. Son rôle le plus iconique a été de jouer la mère d'Eliot dans le film E.T. de Steven Spielberg, où elle était vraiment très très bonne. Et là, encore une fois, elle nous délivre une prestation vraiment très très bonne dans cette mère qui défend son fils contre ce chien enragé. Donc, cette mère courage, voilà, cette femme forte, elle nous délivre une prestation vraiment très très bonne. En face de Dee Wallace, on retrouve Danny Pitoro, qui est d'autre que le petit garçon. Donc en 83, l'acteur avait 10 ans. Le petit garçon joue plutôt bien, voilà. Il joue vraiment bien la terreur. Donc le garçon vraiment est vraiment très à l'aise dans le rôle. En face, on retrouve aussi Daniel Hugh Kelly, donc qui joue le rôle du mari de Donna. Voilà, on le voit au début du film, on le voit un petit peu moins en deuxième partie du film. Qui est vraiment très très bon, c'est pareil, c'est une tête assez connue dans les années 80, donc c'est un acteur qui jouait beaucoup dans les séries B dans ces années-là. Le film est vraiment, nous tient vraiment en haleine, voilà, le film dure 1h20, mais franchement, on est vraiment scotché à notre siège. On a droit à des attaques du chien en première partie du film, parce que Cujo, très rapidement, va donc devenir enragé, et va s'attaquer à son propre maître, donc il va finir par attaquer son maître et le tuer. Il va attaquer aussi son pote de beuverie, donc un alcoolique, meilleur ami de son maître, donc il va aussi l'assassiner, donc on a droit à de très bonnes mises à mort, voilà, de très beaux maquillages, voilà, des bonnes éventrations ou de bonnes cicatrices, donc on a de très très beaux maquillages. Aussi sur le chien, voilà, parce qu'au début, Cujo a un très très beau pelage, donc un beau Saint-Bernard. Et au fur et à mesure que Cujo devient fou et enragé, on voit que Cujo a de la boue sur lui. On voit la cicatrice qu'il a sur le museau qui commence à pourrir. On commence à avoir du pus qui commence à sortir. Ses yeux deviennent blancs, donc on a l'impression que Cujo se désagrège sur ses pattes, donc on a l'impression qu'il devient un espèce de chien zombie, donc on a un très très beau maquillage sur le chien. Le film est vraiment, nous tient en haleine du début à la fin, donc la quasi-totalité du film se passe dans la carlingue de cette bagnole, voilà, donc avec cette mère qui essaie de défendre son fils contre les attaques de ce chien enragé. Alors plusieurs fois elle va essayer de sortir de cette voiture pour essayer d'appeler du secours, mais malheureusement, Cujo n'arrête pas d'attaquer cette voiture, donc il n'arrête pas de mettre des grands coups de tête dans la voiture. Il monte sur le toit, il est en permanence en train de chercher de rentrer dans cette voiture pour dévorer cette femme et son enfant. Au bout d'un moment, cette mère va réussir à sortir de la voiture, mais malheureusement, elle va se faire attaquer méchamment par Cujo, donc elle va avoir une méchante blessure à la cuisse, donc la mère va finir par s'évanouir, et manque de peau pendant que la mère est dans les vapes. Le petit garçon, lui, va faire une crise de tétanie, parce que le film se passe en plein été, donc t'as le soleil qui tape sur la carlingue de la voiture, donc très rapidement dans la carlingue de la voiture, il commence à faire très très chaud, donc il commence à avoir 35-40 degrés, donc le gamin est complètement déshydraté, donc commence à faire des crises de tétanie. Donc t'as cette mère qui essaye de combattre ce chien et en même temps qui essaie de sauver la vie de son fils. Donc on est vraiment tenu en haleine du début à la fin. Le film va très très vite. Il dure 1h20, mais franchement le réalisateur arrive à tout le long du film à instaurer une tension permanente. Franchement, je vous le conseille. Donc c'est une adaptation de Stephen King assez connue. Voilà, bon, pour les plus jeunes
qui ne le connaissez pas, je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment un très très bon film fantastique. Alors, en première partie, on est vraiment dans un film fantastique, style roman de Stephen King. Et en deuxième partie de film, là, on est plus dans un survival, parce que je vous dis, tout le reste du film, dans sa deuxième partie, se passe dans la voiture. Donc, il y a Cujo qui monte en permanence sur la carlingue de la bagnole, qui arrache le rétroviseur, qui essaye en permanence de rentrer dans cette bagnole pour aller dévorer ses victimes. Et franchement, le réalisateur nous gratifie d'un très très bon film. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Cujo est un excellent film de chien enragé. Donc, je pense que on peut le trouver facilement en DVD. Moi, je sais que quand je vais dans les Easy Cash ou dans les Fnac, on peut le trouver facilement en DVD. Je sais qu'il y a eu une très très belle édition qui est sortie il y a très peu de temps, Blu-ray DVD de ce film. Donc, je pense que vous pouvez le décoter assez rapidement. Mais franchement, je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment un très très bon film d'un roman de Stephen King. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires. Dites-moi si vous connaissez Cujo ou si vous comptez le voir. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.